Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui, on va se faire un petit jeu. Ouais, un petit jeu fandard, comme vous avez pu l'entendre. Ça vous a peut-être mis sur la piste. Donc, le jeu, c'est Dead End Job. Et oui, voilà, un emploi sans avenir, grosso modo. Hein, la traduction un peu littéraire de ce jeu. Donc, pour aller dans les specs un peu du jeu, développé par Hands Art Workshop Limited, éditeur End Up Game, il est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Linux, macOS. Donc, profitez-en. Si vous avez ce support, vous pouvez y jouer. Il est disponible sur Nintendo Switch depuis le 13-12-2019. La PEGI, c'est 7 ans. La taille installée sur ma Nintendo Switch fait 1,300 mo, donc c'est un jeu relativement assez léger, et pour un prix de 14,44€, et oui, 14,44€, il y a moins 15% sur l'eShop. À la base, le jeu était à 16,99€, mais même à ce prix-là, je vous le dis d'avance, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème. Putain, qu'est-ce que je me suis fendu la gueule sur ce jeu. Pour poser les bases au niveau de Dead End Job, je vais vous le dire tout de suite. Donc, Dead End Job est un jeu de tir à modèle procédural qui se joue avec deux joysticks. Plongé dans un univers déjanté où votre métier est d'exterminer des spectres avec un aspirateur, un fantôme et un pistolet à plasma. Vous incarnez Hector Plasma, un employé de l'entreprise Good Be Gone, les experts en examination de nuisibles paranormaux, dont le travail consiste à libérer bureaux, restaurants et autres lieux ordinaires de leur hôte ectoplasme inopportun. Et oui, ça va vous rappeler un peu Ghostbusters, et ça va vous rappeler aussi Luigi Manson. J'ai fait les vidéos sur la Gata TV de Luigi Manson 1, 2 et 3, le dernier sorti sur Switch. Vous pouvez aller le voir, je vous mets le petit lien en haut dans le i. Jouer en solo ou avec un ami dans un mode cop qui s'intègre parfaitement à la trame principale. Vous êtes fan des dessins animés des années 90, ça se tombe bien, nous aussi. Nous avons grandi avec cette époque farfelue et nous avons retranscrit notre amour pour cette période. Admirez les détails de chaque poil, donnés avec nos graphismes décalés et autant couleurs qui donnent vie aux objets du quotidien, les transformer en fantômes à aspirer. Voilà pour poser les bases de Dead End Job. C'est parti. Alors j'ai lancé un petit peu le jeu pour le manier, voilà, tout simplement, savoir où j'allais, arriver avec le jeu et vous dire je sais pas, donc maintenant je sais comment on y joue. J'ai juste fait le premier level, on va voir ensuite. Mais alors putain, même au bout de 30 secondes je me suis fendu la gueule. On y va, c'est parti. Donc licence d'exterminateur de nuisibles paranormaux, ectoplasme. Niveau de compétence, rang, voilà, sous-stagiaire en préparation de thé. Bon bah c'est nickel. Donc ça fait un peu penser au dessin animé qu'il y avait, hein. Et voilà pour l'intro de Dead End Job. Donc, au niveau du design, du dessin, ça me fait penser un peu aux zinzins de l'espace. Je sais pas pour vous, mais il y en a plein comme ça. Il y a Raz et Tralala, c'était pendant les années 90, comme c'était dit. Et du coup, la patte graphique me fait ressembler à ça. Et c'est énorme, je kiffe direct. La patte dessinée comme ça, j'adore. Donc, je vous laisse lire. Voilà, Hector, tu chasses des fantômes, c'est ton métier. Gagner de l'argent, ça vaut aussi pour toi. Mettons-nous au travail. Donc le petit son derrière, il est adorable, il passe crème sur le jeu. Donc là, en plus, on a les options, voilà, utiliser les objets de santé, audio, les visuels, ok, voilà, on a fait le tour. Carte d'émission, allez, c'est parti, on y va. Donc le jeu, je l'ai trouvé sur l'eShop, et je me suis dit, ouais, je vais le tester, déjà rien que pour le dessin, et je vous le dis tout de suite, hein, même pour le prix, prenez-le, foncez, hein. Il y a du délire, il était une fois de la bave. Donc si vous aimez Ghostbusters, Luigi Manson, et tout ça, et les dessins animés des années 90, ce jeu va vous plaire. Même au plus petit, hein. Peggy 7, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc voilà la patte graphique. Donc, tout simplement, je suis avec le joystick, de gauche, ce qui me permet de manipuler le personnage, vous le voyez là, tac 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 tac, hop, et du coup pour tirer, je vais utiliser ZR, voilà, donc j'utilise ZR sur le Joy-Con droit, et pour aspirer, j'utilise ZL sur le Joy-Con gauche. En dessous, j'ai mes trois cœurs de vie, et pour l'instant, je suis un sous-stagiaire qui sert à rien. Donc là, pour commencer, on peut déjà récolter pas mal de trucs, voilà. Là, je vais péter un peu tout, on va voir. J'ai des billets, hop. Bah ouais, hein, je suis un sous-stagiaire, alors je prends tout ce qui peut venir. Là, on l'a vu, surchauffe au niveau
du plasma et même au niveau de l'aspirateur. Donc là, faut faire attention. Voilà, il y avait des billets dans l'imprimante. Voilà, je prends. Donc là c'est pété, je crois que j'ai tout pété en fait. Ouais, il n'y a plus rien par là. Ah, il y a un petit billet là qui traîne. Voilà. Donc j'adore vraiment, c'est le rebond. Regardez un peu. Waouh, le design et tout ça au niveau gameplay. Bon, c'est fantastique quoi. Et ça, c'est des petits bons jeux qu'on aime sur Nintendo Switch. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Donc là, tirez sans relâcher encore et encore sur les fantômes jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Donc là, voilà. Hop. Voilà. Oui, vous avez étourdi l'un de ces imbéciles. Maintenant, utilisez votre aspirateur pour l'attraper. Donc c'est clair, c'est clairement, le dialogue, il est là, il est posé. Allez, c'est un imbécile, le machin. Donc les fantômes sont vraiment pris pour n'importe quoi dans le jeu. Mais c'est ce qu'on aime. Voilà, donc on va récupérer les billets. Bah ouais, je veux de l'argent, hein. Donc ça fait plaisir de voir un jeu comme ça à Noël sur Nintendo Switch. Attraper tous les fantômes d'une pièce pour les libérer. C'est idiot. Allez, on y va. Hop. Hop, en voilà un. Oui, allez, là, il y en a un là. Donc là, c'est relativement simple parce qu'on est dans les premiers niveaux. Hein. Après, le jeu, exponentiellement, donc c'est-à-dire crescendo, va prendre en dureté. Donc là, est-ce qu'il y a de l'argent à récupérer par là? Je pense pas. Bon, il n'y avait rien là. Non plus. Bon, il n'y a pas d'argent là. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas de limite de cartouche. Par contre, on a une jauge de chaleur de notre arme. Bon, il n'y a rien à prendre. Ah, si, j'ai pris un sandwich. Je sais pas si je l'ai pris. Voilà. C'est quoi? Utiliser pour ce que vous pourrez trouver habituellement cet objet à bon effet, mais parfois ce n'est pas le cas. Donc si j'appuie sur L, j'ai une sorte de sandwich. Tu vas peut-être me restaurer de la vie, je sais pas. On verra ensemble. Allez, c'est parti. Là, faut que je fasse attention. Hop, en blanc. Voilà. Hop. Waouh, on va attendre un peu. Donc là, pour l'instant, il attaque pas, c'est bien. Ça me permet de... Ah là, il a attaqué. Ah, on a vu qu'il avait attaqué, là. Ok, là, j'ai des billets, je les prends en direct. Franchement, avoir un jeu comme ça... Ah, souvenez-vous que vous pouvez en manger pour obtenir de l'énergie si vous faites botter les fesses par des apparitions. Ok, bah là on va attendre un peu. Et voilà. Moi je prends tout, hein. Hop, voilà. Oula, oula. Donc là on a une seule sorte de sortie. Hop. J'ai 2035. En blanc. En blanc 2. Hop, on va descendre un petit peu. Non, il y en a un. Ah, il en reste encore. Ah, il est là. Hop. Donc c'est très addictif, hein, je vous le dis direct. On s'amuse dès les premiers instants. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Moi, franchement, je m'éclate à vous présenter le jeu et à y jouer en même temps. Allez, viens par là, toi. 100 euros. On va voir un peu ce qu'il y a par là. Donc, le fait de pouvoir tout péter aussi, c'est archi sympa. On va attendre un petit peu. Et la patte graphique du jeu, ouais, franchement, j'adore. Le gameplay, il est simplissime. Bon, voilà, donc il va dans toutes les mains. Y a pas de problème et le plaisir il est là, c'est le principal. Donc là on a un méchant, un ectoplasme. Ah, ça change un peu de Luigi Manson. Voilà, de Luigi Manson. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. On va attendre un petit peu. Donc là voilà. Hein. Hop. Oh non.
En plein. Ah, y a pas mal d'ectoplasme là. Voilà, voilà. Et voilà. Attraper assez de fantômes pour remplir un réservoir et obtenir une promotion avec le fabuleux prix peut-être. Waouh, j'ai été promu motivateur. Cadre. Je suis d'accord. Ça n'a rien à voir avec ma fonction. Et voilà. Donc là, j'ai tout pété. On les baies. Là, il y a un truc, mais je sais pas si. Non, je peux rien faire. Ok, non, c'est pas grave. On va aller un peu plus loin. Donc la musique colle vraiment bien au jeu, il n'y a pas à dire. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi franchement je kiffe, j'adore. Oula, secrétaire terrifiante. Ouais non, on va voir un peu là. Donc là, suffit de connaître la pattern. Donc c'était tout con. Hein. Oh putain. Oh non, je me suis fait niquer. Je parlais trop vite. Une fois que tu connais la pattern du boss, bah après c'est bon. La secrétaire terrifiante. Là. Hop. Je vais manger ça. Bon. Et c'est fait. 3100 balles. Allez, pour moi. Ah, là, j'ai un truc. Mais... Oh, d'accord. Voilà. Comment je marche. C'est énorme. Je marche n'importe comment. J'ai archi du mal. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Bon, là, je peux pas y aller. Donc, du coup, j'ai pas vu de porte par là. Non, il n'y avait pas de porte. Hein. Oh, c'est n'importe quoi, maintenant je marche n'importe comment. Ah voilà, c'est revenu, je crois, la normale. Là, il y a une porte. Mais là, il n'y avait pas de porte non plus. Ah oui. Donc du coup, vous pouvez voir en haut à gauche. Hein, là où il y a marqué sauvetage avec la personne étage 1 sur 1. On voit où je suis. Ouais, c'est bon, je peux prendre l'ascenseur. Première journée, waouh! Donc, ça fait déjà 13 minutes qu'on est ensemble, j'ai pas vu le temps passer, je vous le dis direct. Hein. Franchement, je m'éclate, j'adore ce jeu. Ce jeu est une petite bombe à posséder obligatoirement sur votre Nintendo Switch, ou votre console, ou votre PC, ce que vous voulez, mais il est à posséder. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo sur vos réseaux sociaux, surtout, et à faire connaître cette vidéo autour de vous, et ce jeu aussi, quoi. Dead and Job. Excellent. Les développeurs ont fait du très bon travail. C'est bon. Je ne suis pas prétentieux, Hector. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. Comment ça? Un chemin extrême long à parcourir, Hector. Oh, le pont à confiote. Hop. Carte d'émission. D'accord. Mais j'ai déjà fait celle-là. Je peux pas aller autre part. Manuel. Il y a quoi dans les manuels? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est manifestement un fantôme, je me sers pour me souvenir des choses. De la pacotille utile, des manifestations de haut niveau, des bons fast-food. On dirait un objet de scrapbooking abandonné, mais il y a autre chose. C'est parce que tu es un fantôme. Tu peux mettre tes doigts nulle part. Ici, regarde bien. Waouh. Magnifique. Ah, c'est vraiment de l'humour décalé, j'adore. Waouh, ça tire des cartes de visite. Ok, or, dessiner un peu. D'accord, donc là on a des trucs à accomplir. Secrétaire, donc là si on va dessus, d'accord. Mission a commencé. Donc là on a deux personnes à sauver. Ouais, y'a rien à tuer là.
bah y'a rien. Allez, c'est parti. On se fait encore ce petit niveau là, et ensuite je vous laisserai. Oula. Oh, ça pète de partout là. Ah, y'a un baveux là. Ectoplasme. Voilà, c'est fait. On récupère tout. Donc ça fait clairement penser à Luigi Mansion là récemment que j'ai fait sur Agatha TV, mais en beaucoup plus décalé, beaucoup plus drôle, même s'il est très drôle hein, le jeu, j'enlève pas sa cote part de déjanté, mais celui-là ouais. Hop en blanc. Oh là, je... ah. Non, toi tu vas pas m'avoir. Voilà. Et en plus c'est bien, on peut tout péter. Voilà. Et du coup je récupère de l'argent. Et le loop qui est derrière au niveau de la musique. On se fait pas chier contrairement à d'autres jeux où c'est chiant, c'est la rengaine et tout. Bah là c'est pas le cas. Là, je tire un peu partout. Hop, et du coup, là j'ai un exit, là je viens d'y aller. Parce que j'ai tout pété. On va aller par là. Là il va y avoir des ectoplasmes. Voilà. Prendre l'un l'autre. C'est parti. Hop. Et voilà. Donc ne pensez pas que le jeu est archi facile. Hein. Faut pas croire. Voilà. Il a ses difficultés. Après, faut savoir le manipuler. Si on connaît un peu tous ces jeux-là, si vous avez l'habitude de jouer, vous allez bien vous en sortir. Par contre, au début, c'est un peu compliqué. Je tiens à vous dire. Oula. Avoir bien un premier. Non. Ah, je me fais avoir. Je vais manger un petit bout. Ah, pour blanc. Et voilà. Ah, il y en a encore un là. Pièce terminée, nickel. Hop, je crois qu'il y a encore un billet qui doit traîner là. Donc là, le truc de la surchauffe aussi, c'est archi bien à gérer quoi. Non, j'ai pas fait ça de ce côté-là encore. Oh, pas déconner non. Hop. Hop. Bah alors lui, waouh, s'il plaît là. Hop, c'est bon. Allez, c'est parti. Hop, encore un. Je peux augmenter le grade. Attention, je suis devenu quoi? Cadre en préparation de T-qualifié. Stagiaire junior enfin, oui. Allez, petit pouce bleu pour le stagiaire junior. Et je me donne du mal, là. Hop, là, je prends tout. Pièce terminée. On me dit qu'elle est terminée, super. Ah, je vais beaucoup plus vite, là. Eh, vous avez vu comment c'est rythmé, c'est vachement bien. Hein. On s'emmerde pas. Hein. Je peux pas, hop. On y va, encore une pièce que j'ai pas visitée. Oh là. Fais attention, on a un peu trop à mon goût. On va attendre un peu, on va aller se planquer un petit peu par là, là. Toi, je dirais. Allez, hop, j'ai tout pris en même temps là. Et qu'il a rien vu. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, on va le défoncer. Oui. Et voilà, citoyen sauvé. Nickel. Donc, le premier citoyen a été sauvé par nous. Par le stagiaire junior, on a réussi, et bah maintenant il faut continuer. Hein. Bah tiens, voilà le deuxième. Et hop, ça c'est fait.
Hop. Secrétaire d'... Oh, dis donc, les deux là. Oh non, c'est pas possible. Oh, je vais prendre cher sa mère là. S'il me reste... Ok, Ah, puis il y a un baveux qui est là. Oh là là. Ah, évidemment. Ah. Et... Oh non, je suis mort. Tant pis. Ah, tu voyais hein, comme quoi ça arrive. Hein. Donc voilà pour le test de ce jeu que j'ai franchement adoré, Dead & Job sur Nintendo Switch. Et oui, je suis sur ce support. Donc moi personnellement, je vous le conseille. Prenez-le sur votre support. Là actuellement sur l'eShop, il est à 14,44€, moins 15% jusqu'au 20/12/2019. Donc il y a très très peu de jours encore là. Je suis pas subventionné. Enfin, j'ai rien. Hein, j'ai pas de partenariat. J'ai rien du tout avec Nintendo ou avec les développeurs et tout ça pour vous pour le jeu. C'est juste un jeu que j'ai pris sur l'eShop pour vous le présenter. Et moi personnellement, c'est une pépite, je vous le recommande sur votre Nintendo Switch, j'ai rien d'autre à dire à part ça, foncez, prenez-le, jouez et laissez-moi des commentaires, faites partager cette vidéo autour de vous pour découvrir et faire découvrir ce jeu à l'ensemble des personnes qui ont une Nintendo Switch ou un autre support PS4, Xbox One, PC, macOS et Linux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je vous dis à la prochaine, salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.